Hey, salut! Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur Battlefield Bad Company 2 et Vietnam. Alors, comme vous pouvez vous en apercevoir, je parle, oui, j'ai une voix. Le problème, c'était que j'avais un bug avec mon micro. Je pouvais pas parler, donc je devais faire des vidéos sans son. Bah, sans ma voix, quoi. Là, ça change. Je vais vous faire une vidéo avec ma voix. Et là, pour commencer, je vais vous faire une partie sur le mode Bad Company 2. Je vais directement passer aux missions, à la mission, on va dire, notre campagne. Je ferai la présentation des armes et du reste après. Alors, on va prendre une map où il y a un peu de monde. Heavy Metal, du monde. Canal du Panama, c'était quoi ça? Ah oui, oh, elle est pas mal ça. Oh, du monde. Heavy metal, c'est bien en snipe, mais heavy metal. Bon, tiens, j'ai envie de faire un peu de sniper. C'est parti. Heavy metal, conquête 27-28. 26 sur 32. Hardcore, voilà. Là, il n'y a pas de caméra assassin, oui, c'est normal. On dit. Ah, j'espère qu'on a le droit à plusieurs fois le sniper, parce que des fois sur des serveurs, on a le droit à un ou deux snipers par équipe. Là, je vais vous montrer surtout que les snipers. Je vais essayer que les snipers, si je peux prendre ingénieur aussi. Alors, éclaireur, ah oui, assaut plus, ingénieur plus, médic plus, éclaireur plus. Ce qui change des normales, c'est le skin que j'avais eu avec les armes SA. Lunette x12, munitions magnum qui sont plus puissantes. Ouais, de toute façon j'en ai pas besoin. Alors, c'est qui m'a dit? Je vais aller où c'est, tiens, un peu. Ouais, je vais rester là-bas. Position de campeur. Alors, je vais faire le campeur. Je vais surtout parler. Oh, je crois qu'on a un ennemi dans notre camp, ouais. J'ai pas. Je suis en entier, je crois. Ah, c'est 4. Ouais. On va tenter une percée. Transpondeur en position, amplificateur en position. Lance-roquette, c'est à vous. Ah bah comme ça ils l'ont. Désolé. Vous êtes le seul survivant, accrochez-vous. C'est vraiment pas fait exploser. Oh. Un hélicoptère ennemi. On peut le comparer à la Apache, je pense, ouais. C'est bon, la zone est bien contrôlée, Martin. Parce que en fait les deux hélicoptères du camp peuvent tirer. Alors que l'US, le Black Hawk, Black Hawk, ils ne peuvent pas tirer, c'est pas la même chose. Le pilote ne peut pas tirer. Ce qui est bien chaud. Pas trop. Alors. On va essayer de tuer quelqu'un avant que je me fasse tuer. Sniper à moi ici. Ah, je vois pas rien. Char inoccupé. Apparemment, ah, j'en vois un là. Ah, il est derrière le décor. Ah, sinon je l'aurais eu. Oui, parce que là en fait, il y a là, il y a tous les décors. Il y a un qui monte là. Et il est caché derrière des camps, on peut le tuer. On peut le voir mais on peut le tuer. Problème. Ouais.
voit souvent aussi dans Bad Company 2, c'est que quand les hélicoptères se font toucher par le traceur, bah on peut les voir dans la seconde qui suit se cracher. C'est pas le traceur, c'est des attentats suicides, on va dire. Donc, on préfère se suicider que d'être tué. C'est long ça là. C'est dommage que j'ai pas mon mortier. Ah, on a entendu le coup de notre traceur. Je recharge. Attention, ils ont un char. Le char qui s'est fait percer. Identificateur en position. Lance roquette, c'est à vous. J'ai aussi. Mortier, mortier. Transpondeur en position. J'en ai tué 3 sur 2, ouais. Sniper. Bon, je vous fais encore celle-là et je vais m'arrêter par là pour l'instant. Oh non, je vais faire le Vietnam après.
arriver à Vietnam. Entrez. Alors, je vais mettre en assaut, tiens, M16A2. Ouais, point rouge. Donc si on a, c'est tout bon. Ah oui, récemment, j'ai eu aussi l'étoile de platine pour le pistolet. Oh, 350. Ah, c'est horrible. Ah, une mitrailleuse, oui, voilà. Ah, bien, moi j'aime bien. Ils ont déjà pris deux positions, mais disons que c'est rapide. Je vous jure que c'est pas pratique de réfléchir pour parler et de réfléchir pour essayer de tuer quelqu'un. Ah oui, bonne nuit. Là. Ouais, j'ai trouvé, c'est pas super. Hein. Ça peut faire un bon tir de suppression et bloquer les ennemis. Faut te faire complier! Ah,
j'ai soigné un peu à moi. Un petit peu en fait. Il faut faire plaisir à certaines personnes que je parle en même temps. J'espère qu'ils vont pas râler cette fois. Ils vont se reconnaître.
Vous allez me dire, ça sert à rien de tirer au menti n'importe où. Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo. Alors je vais vous montrer un peu quoi, tous les armes. Salut. Le jeu, les statistiques, un peu tout hein quoi. Et bah je l'ai mis sur le gameplay. J'ai parlé. Parce qu'on m'a souvent dit que je parlais pas ça. Je sais pas si je me répète là. Bon. Je suis niveau 40. Pas facile à parler hein. On a pas vu. Bon, les armes. Alors vous pouvez constater les étoiles, les armes. Surtout attendez. Alors je vais commencer par les UMP, XSA, M16SA. Ce sont les armes que on achète. En plus, ça change juste le skin des munitions, des armes, tout ça. Vous pouvez voir aussi les mais oui, alors les étoiles. D'argent, bronze, or. Aussi les catégories d'armes. Assaut, ingénieur, médecin inférieur. M16SA. Ma préférée, je veux dire. MPSA aussi. Mais moins. Je trouve qu'elle est pas très puissante par rapport à d'autres jeux. Le skin des M16A2 et M16SA n'est pas le même, on peut constater. Comme ça, ouais, comme ça. Voilà. Les dégâts, précision, cadence de tir est exactement les mêmes. Pareil pour l'UMPSA. Mince. Ah, comment on fait? Ah oui, attends, il faut quitter là. Voilà, et comparé. Voilà. Bon, et on voit très bien que les dégâts, précision, cadence de tir sont exactement les mêmes, quoi. Alors le M95 et M95 SA, pareil. Là, oui, on voit aussi que tout est exactement pareil. Il n'y a pas plus puissant, moins puissant, voilà. C'est dommage, je trouve. Ouais. Surtout pour les opérations antimatérielles. Oui, je tire sous. On peut tirer avec deux chargeurs sur le sur les hélicoptères. Alors MJ3, on voit les dégâts, la précision et cadence de tir. Maintenant si je compare à MJ3SA, ben on voit que c'est différent. La MJ3SA est plus puissante, elle a une meilleure précision mais la cadence de tir est moins élevée. Hein. Et aussi le traceur, on s'en sert pour désigner les hélicoptères et les chars d'assaut. Aussi l'infanterie qui est un peu marrant je trouve. Alors le M1, qui est le fusil de la seconde guerre mondiale. On a aussi la Thompson M1A1 que j'aime bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, mon étoile de platine que j'ai sur le sniper goal au bout de 1179 tuyaux. Ouais, même moins pour avoir la platine. C'est au bout de 9 étoiles d'or. Mes gadgets, alors j'ai le Gustave aussi, la PG, M16, M136AT4. Ouais. Servent aussi grâce au traceur. M136AT4, il faut le désigner, c'est faut viser, faut continuer à viser pour que le missile continue. Alors lance-grenade, lance-fumigène et le fusil à pompe. Lance-grenade, 9-8 étoiles d'or, encore 2 et j'ai la platine. J'ai aussi, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, je sais pas. Alors il y a aussi les grenades, cette étoile d'or hein, qui est pas mal. Moi j'aime bien. Alors le couteau, platine hein, bien sûr, j'en ai tué 756. On l'a bien avant. Oh un petit bug, désolé. Très belle arme. Spécialisation, hein, alors j'ai les maniabilités, les deux lunettes, x4 et point rouge. x4 j'aime pas trop hein, je trouve, hein, mais pas super. Hein. Kit de soins pour qui augmente l'efficacité et le rayon d'action. J'ai la lunette x4 pour le sniper que j'aime pas trop. Comme le assaut ingénieur, la lunette x12 hein, qui est intéressant. Repérage automatique
et le point rouge qui peut être intéressant. Oui, alors pack CP ça sert à avoir une meilleure mobilité comme il utilise une vitesse accrue, mais moi j'ai jamais vu la différence. Il y a aussi oh un petit bug là. Oui. Oh là je bug. Ah, un petit. Alors j'ai cartouches en plus qui sont bien. Grenade en plus aussi, que j'utilise souvent avec le pack explosif. Et ouais, un peu plus puissant, ouais. Et l'armure. Munition magnum. J'utilise avec le snipe. Alors sur le char, on peut voir les blindages en plus. Les munitions plus puissantes. Oh là, pourquoi j'ai autant de bugs? Ouais. Ouais, c'est parce que je filme. Ouais, c'est pas très super. Bon, j'ai pas que recharge. Ah oui, plus rapide. Tire plus vite. Alors pour le char, j'ai fumigène. Pack opération pour viser plus loin. As, pack as, ça tire des petits à la mitraillette. La mitraillette pour ceux qui tirent au canon. Fumigène, ah oui, pour les hélicoptères, ça tire des leurres en même temps. Pour si on vous fait tirer dessus au désignateur, c'est au traceur. Comme ça, on peut éviter d'être visé au lance-roquette. Mes statistiques sont pas super, on peut le voir. Hein. Je vais commencer une partie, hein, je vais vous laisser apprécier vu que j'ai toujours pas parlé dans ce petit épisode, ce petit combat. Je vais vous laisser apprécier le jeu. Hein. J'ai détruit quelques hélicoptères, je dis rien. Je vais vous laisser regarder. Bon bah bon film. L'enfer continue pour nos soldats au Vietnam. Alors qu'ils se préparent à reprendre le combat près de la zone démilitarisée. Tous se souviennent qu'une bataille similaire aux conséquences désastreuses avait eu lieu dans cette même région il y a quelques années. Fort de cette expérience, l'état-major américain a préféré employer les grands moyens en mobilisant des escadrons entiers de chasseurs, d'hélicoptères et de blindés de tout type. Après le briefing des médias, les représentants de notre pays ont déclaré que la juste colère des États-Unis d'Amérique allait s'abattre sur l'ANV.
non.
utilité, j'avoue. Ça va beaucoup plus dans l'apercevoir. Alors l'hélicoptère qui a parlé. Quand il veut. Allez, ah voilà. Alors ça, il faut faire vraiment si il a plus de. Vraiment plus de... Si vous êtes plus là, c'est sûr. Les munitions prennent vite fait. Get down! Go down!
Oui, alors il y a les véhicules, le Cobra 4R, le M8, mon préféré, Vodnik et le Quad. En char, il y a le M3 A3 Bradley, le, je crois que c'est BMW, ouais, BMW 3, le MA A2 Brahms, je crois que c'est. Allez, sans en dire, ouais. Non, M3 A3 Bradley. Ça c'est russe. MA A2 Abrams, ouais, c'est bien cela. J'avais raison. Et le dernier c'est le T90. Ah ouais. Pour ceux qui n'ont pas remarqué sans doute, je sais pas. Hein, je suis en train de parler après avoir fumé. Oui, parce qu'en fait j'ai eu un petit bug avec mon micro et là je suis obligé de parler. Après, hein, là c'est déjà filmé et je parle préenregistré quoi. Alors j'en étais où, ouais, oui. Vedette, c'est. Ah oui, les nautiques ils ont une mitrailleuse. Alors, il y avait le drone tout à l'heure, les petits hélicoptères. Les mitrailleuses, les armes fixes anti-char et la DCA, anti-aérien. Les plaques. Ah oui, j'en ai 784 et 465 par personne. J'en ai eu 465 par personne. Alors Antonio 2605 et Yankee 70 sont ceux de mon équipe. En partie de mon équipe. Ah, je les ai eu 80 fois. Anto, il va se reconnaître. Hein. Si je regarde la vidéo, Aurélien aussi, ils vont se reconnaître. Hein. Bronze et argent. Ça, il y en a aussi en or. Alors, mais. Alors, j'ai tout fait, je crois. Ouais, non. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, Vietnam. Ah, oui. Je vais vous montrer les armes. Quand je dis il va faire, je parle de moi à la troisième personne en fait. C'est bien moi qui ai joué, je vous assure. Alors, M16 à 2. Non, à 1, ouais. C'est parce que j'ai regardé les deux étoiles d'or en même temps. Alors M10, PPSH, une arme que j'utilise souvent en ingénieur. Et le Uzi dingue. Ouais, Uzi, voilà. M10 Uzi. Oh ouais, ils sont pas super les armes. M60, qui est vraiment différente de M60 de Bad Company 2, hein, j'avoue. Les plus puissantes M60 ici. MP4, XM22. M40, le sniper. J'adore ce sniper là, M40. SVD, M21. M40 c'est coup par coup, et SVD et le M21 c'est semi-automatique. Il y a un certain nombre de balles avant qu'on recharge. M1911 ou M1911, je sais pas comment certaines personnes l'appellent, ça change. La Thompson, qu'on a vu tout à l'heure. Le lance-flamme, alors celle-là, cette arme-là fait des ravages. Faut pas rester à côté. J'adore les gens, on les entend crier dès qu'ils sont en feu. Alors le seul fusil à pompe et à dans le mode Vietnam, c'est 870 MCS. Bon fusil à pompe. Et le M1 de la Seconde Guerre mondiale qu'on a vu tout à l'heure. En gadget, on a le lance-grenade, M79 dit Booper. Le chalumeau qui remplace la visseuse du Bad Company 2. On a le RPG-7 encore. La seringue qui remplace le défibrillateur. Bad Company 2, le mortier. La TNT qui est remplacée par le C4. Les grenades pareil. Et le couteau encore avec mon étoile de platine. Spécialisation, bon, on retrouve quasiment la même chose. Hein. Maniabilité fusil d'assaut. Mode silencieux pour les mitraillettes. Canon plus lourd pour la précision du fusil mitrailleur. Lunettes x12. Alors, statistiques, c'est quasiment pareil, ouais. Ah, ah oui. Le tuk-tuk. Ça me fait rire ce nom-là. Tuk-tuk. J'ai roulé pendant 27 secondes avec. Dans tout le jeu, j'ai roulé que 27 secondes. C'est marrant. 147 mètres. Le M15-1-1-1. 2 minutes, j'ai roulé avec. Oh, j'ai pas roulé beaucoup en fait. Tuk-tuk. J'ai 69. 3 minutes, M48 Baton 4 heures, et T54 1 heure. Ah ouais, quand même. Ah lui, le Black Hawk, il est dans les deux camps. Hein. Les Marines, les Américains et les Viettes ont le même hélicoptère. Les Blacks, pareil, voilà. Je crois que c'est bon là. Hein.